ça tout le monde, c'est Tazric Piracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1021 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part les amis, je vais très bien. Oh voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1021 de ce Let's Play. Souvenez-vous du coup de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte de Termina. Nous sommes à 52%, mais plus que 48%. Et souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement effectué cette case dans laquelle on avait débloqué l'oiseau de pierre. Voilà, donc on avait fait l'oiseau de pierre qui est ici. Malheureusement, il nous faut des masques Goron. Alors, on en a deux qui sont apparus, mais on va les laisser là, le temps que les masques Zora apparaissent. Parce que j'aimerais bien que l'épisode forme, on puisse faire les masques Zora. Donc, les amis, du coup, les deux prochains épisodes qui, du coup, seront cette semaine. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode, l'épisode d'aujourd'hui, le samedi à midi. Donc, l'épisode 1022, qui sera, du coup, demain à 20h, tout simplement. Ça sera tout simplement sur cette case là, parce qu'il y a deux scutuladors, hein, vous commencez à connaître. Donc là il faut tout simplement avoir du coup notre... allumer la torche tout simplement. L'ennemi est apparu, voilà. Et évidemment du coup il y a deux scutuladors, c'est un guerrier de l'eau demandé, voilà. Donc en face de nous, nous aurons du coup les maîtres Stalfos, Zelda et Impa. Et avec nous, nous aurons du coup Fear et des Captains d'Hyrule. Voilà, donc on y va. Guerrier de l'eau demandé, donc écoutez, why not, donc... ça veut dire qu'il faut utiliser un personnage avec de l'eau. Alors, roi d'Hyrule, ça peut être bien. Ruto, on a Tetra, mais on utilise pas mal Tetra aussi. Lana, on l'utilise un petit peu Lana. Donc je pense qu'on va utiliser tout simplement notre roi d'Hyrule. D'accord. Mère occulte, ça peut être bien. Palais de l'esprit, on est à 500. Voilà, un truc à 500 de dégâts, voile de la Triforce DX. On crache pas dessus et du coup let's go. Alors du coup il y a deux scutuladors, hein, donc c'est à dire qu'on va passer deux épisodes là dedans. Alors là c'est l'épisode le plus entre guillemets important, parce qu'il faut obtenir le rang A avec. Il y a que la scutulador le rang A, mais dans l'épisode prochain il y aura que la scutulador, donc on n'aura pas besoin d'obtenir le rang A. Ah, par contre j'ai été débile. Alors Zelda, Impa, des rechargeurs de magie et maître Stalfos, ok. Pas mal de mettre Stalfos, putain. Et ok, et la liste d'efforts. Ok, donc la liste d'efforts. Bon, après, c'est pas fou. Ok, bon, je pense qu'honnêtement, on va être tranquille, hein, concrètement. Hop, rechargeur de magie. Attention. Allez. Oh, le bâtard. Ok, rechargeur de magie. Qui meurt. Voilà, c'est fait. Alors, le plus important, c'est de buter tout le monde le plus rapidement possible. Hein. Ne pas se faire baiser comme il y a quelques épisodes de cela. Les monstres arrivent en plus. Oh le bâtard, hé. Ah, il arrive sur notre base alliée, hein, les monstres. Téléportation. Ah là là. Ok, on va les laisser s'occuper de ce fort. Nous on va vite prendre le fort qui est là. Comme ça en même temps on va redescendre en bas directement. Ah là. Déjà 500 dégâts est en difficulté, c'est pas grave. Allez. Merci. Ce sera un peu plus puissant et beaucoup plus vite, merci. Voilà, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. On y retourne. Il a danger, tout le monde est à danger, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Merde. J'aimerais bien battre ce maître Stalfos concrètement. Et à danger. Fuite. Fuite, putain, tout le monde fuit, hein, c'est incroyable. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Le problème, c'est que la scutula, j'ai peur où elle va apparaître, hein, je vous le dis.
J'espère qu'elle va pas être sur notre chemin, parce que la chercher pendant 5000 ans, ça va nous faire chier. Allez, on y va. Bah parce que là, du coup, ils sont dirigés sur la base alliée. Hein. Putain. Oh là, putain, cette pute. Oh, alors là, on va avoir un problème, les amis. On va avoir un petit problème. Ok, alors on va faire ça et après on va directement foncer sur notre fort. Hein. Et enfin, si on a le temps. J'espère juste qu'on va pas chercher la structure là pendant 5000 ans. Elle est où? Elle est où? Elle est là-bas. Allez, on y va. Vous avez un guide studio d'or, vous avez obtenu un morceau d'illustration. Là, on fonce sur notre base. Pas grave si on prend pas l'effort. Là, on fonce sur notre base. C'est le plus important. Ils vont. C'est pas grave, le planton. Allez, du coup, on y va. Allez. Dis-moi que j'aurai le temps. Parce que là, si elle est à danger maintenant, on est dans la merde. Ce jeu, vous savez, il affiche que des. Que pas tous les éléments en même temps. Allez, on y va. Elle est en fuite, ok. Allez, on y va. On est là. Allez, on est là, on est tranquille. Oh là là, le maître d'Alphos qui sont ultra pétés. Oh mon dieu, Impa, ok. Bon, du coup, là, il y a du pipo. Bon, on a obtenu la scutilador, on sait où elle apparaîtra la seconde, du coup. La seconde sera moins problématique, la première était beaucoup plus problématique, mais... Ok. What the fuck. Capitaine de la garde d'Hyrule, Impa. Oh my god. Ah, en plus, elle est cheatée aussi. Ah bah oui, pourquoi pas. Oh lolo, ouais, et il fait mal cette putain avec le maître Salfos. Mais attendez, il est en danger, mais d'où tu es en danger. Mais d'où tu es en danger, toi. Ah oui, d'accord. Impa, le problème, c'est que, comment dire, elle ne subit pas de dégâts. Si elle subit des dégâts. Oh lolo. Ok, en fait, attendez, mais... C'est quoi qui fait mal? Mais c'est pas possible. Ah, mais c'est parce que il y a des rechargeurs de magie. C'est eux qu'il faut battre. Putain, je suis con. C'est eux qui font ça. Ah ouais. C'est eux qui me défoncent depuis tout à l'heure. Vite. Ok, elle est mid-life. Hein. On peut s'en sortir. Attention. Attention. Voilà. Là, il faut voir le maximum de coups fatals. Hein. Attention, on y va, on y retourne. J'aurais pu battre les rechargeurs de magie. J'avais peur que ce soit, je sois pas suffisamment là pour. Ok, on y va. Attention, Impa. Parce qu'Impa fait mal, hein, je vous le dis. Ok, attention. Pas se faire baiser. Hein. Attention. Voilà. On va faire du coup fatal, hein, je vous le dis. Coup fatal sur coup fatal. Hein. Pour l'avoir. Le maître Talfa, c'est. Oh là là. Oh, il nous fait mal. 57% cette pute là. Ah oh, putain, j'ai pas visé le bon truc. Elle est où là? Elle est où, Impa? Elle est là. Si, j'ai quand même bien visé. Ok. Maître Talfa s'est battu. Allez. On est à 57%, c'est bon. On peut y arriver. Si elle nous enchaîne pas, on peut y arriver. Voilà, ça. Je pense que là, elle est morte. Presque, putain. C'est bon, elle est morte. Ça y est, suffit. Mission complete. On est à 5 minutes. Ça va, tranquille. On va pas stresser. Bon, en termes de chaos, on est tranquille, hein, je vous le dis. On n'a pas besoin de paniquer ou quoi. On est tranquille. Tac. En termes de chaos, je pense que là, on est... Voilà. Merci. Ok. On va dire les dégâts, ça me fera moins chier quand on aura fini avec Laura, quoi. Le prochain épisode sera un peu plus chill, on va dire. Entre guillemets. Sera un peu plus chill. Oh putain. Super. Attaque de Mandala. Oh. Allez, on y va. Salut toi, des maîtres Talfos. Oh. Oh, calme. Oh, vous avez vu comme il m'a... mais what the fuck. C'est parce que je suis en hauteur ou quoi qu'il me défonce comme ça. Mais il est foulé.
What the fuck, il m'a défoncé la totale force d'un coup. Voilà. Attention. Ok. Ok, déjà pour c'est ça on le calme. Ça on la calme elle aussi. Merci. Attention. Ok. Tac. Allez, maintenant on va aller en bas. On va essayer de prendre tout l'effort, hein, je vous le dis. Comme ça on est un petit peu tranquille. Juste mon chat qui faisait pipi, ça, hein. J'avais entendu comme de l'eau qui coulait à côté de moi. Je me suis dit, oh putain, je crois que mon truc est tombé, mais non, ça va. ça serait dommage, ça vient. Voilà, on y va. Attends, de cas, on est tranquille, hein, je vous le dis. Apparition des buzz, il fort. Voilà. Là t'attaquer le mandala. Merci. Je pense que ce sera peut-être prendre 5 forts pour la prochaine scutulador, je vous le dis. Parce qu'il y a 1200 ennemis, on les a très facilement en fait. Voilà. En urgence. Bon ça va, on est à côté. État danger, évidemment. Allez. Vas-y fort. Voilà, le petit coffre. Bon, on aurait eu un petit coup de stress, on va dire, avec la scutulador qui nous a joué un mauvais tour tout à l'heure, avec qui est apparu à l'autre bout de la carte. Mais à l'opposé d'un endroit où on était censé aller pour gérer la situation. Mais sinon, voilà, ça reste tranquille, quoi. Hop. Voilà. Allez. Niveau 93. Et on a gagné un nouveau réceptacle de cœur avec le roi d'Hyrule. Il nous manquera plus de 13 réceptacles de cœur avec le roi d'Hyrule. 9000, ça va. Tac. Ça, vous allez gérer maintenant. Allez, du coup, on y va. Hey, Zelda! Welcome back! Putain, on aura vu beaucoup Zelda cette semaine. Il n'y a pas un épisode où on n'a pas vu Zelda. Bah, du coup, ça il n'y aura pas eu un épisode où on verra pas Zelda cette semaine. Princesse Hyrule, Zelda. Les deux formations, les deux formations qu'on a fait, il y avait Zelda. Qu'on a battu. Et du coup les deux épisodes qu'on va faire là cette semaine, enfin cette semaine en comptant aujourd'hui là et l'épisode prochain, bah on va rebattre Zelda et c'est bon, hein. Ok. Merci. Tac. Merci. Voilà, petit buff de dégâts. Ok. Hop. Boum, boum. On a bien géré. Voilà. Ça va. Bon, on a une minute et quelques pour la battre.
Oula, 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 calme, mais elle m'enchaîne de fou là. Oh, elle a décidé de s'énerver ou quoi? Elle est conne ou quoi? La contre-attaque. Bah, bon, là, elle est morte. Boum! Et voilà! C'est fini! On a géré! Ouh! Putain! Bon, ben voilà! Victoire normalement dans A! Normalement, on a le rang A, normalement. Bon, ben du coup, écoutez, on était à l'épisode 1021. Moi, je vais quand même enregistrer ma toute dernière vidéo, mais d'abord, je vais aller m'habiller, les amis. Mais après, je vais d'abord. Je vais d'abord aller m'habiller. Et après, j'enregistrerai ma toute dernière vidéo. Hey, hey, thank you, guys. Alors, ok, d'accord, ok. 12200 rubis, 6100 rubis, 6500 rubis, 5900 rubis, 9300 rubis, et enfin 11800 rubis avec 1000 rubis, ok. Un lien pour cheveux d'Impa, un bijou de 13 Zelda, 6 cartes de maître Salfos, une pièce armure de Dark Knight et un cuir d'Aerafos, avec une broche d'Elia Goutu, un fromage taulien, une sport de champignons, et enfin un fruit de l'arbre de vie. Et l'illustration! Oh, on voit des jambes. On voit quelles jambes. Oh, je crois que c'est Lana, vu les cheveux bleus. Mais ouais, on voit des jambes de Lana. Ok. Why not? Vous avez libéré le pouvoir de l'oiseau de pierre sur cette carte. Eh ben écoutez, tranquille, bon, y a pas de masque qui est apparu. Ah, chiant. Bon, bah du coup, dans l'épisode prochain, on ira tout simplement se réattaquer à cette case. Voilà, donc demain à 20h normalement. Donc on ira se réattaquer à cette case dans laquelle on ira récupérer notre deuxième Scutulador. Voilà, comme ça au moins on aura fini avec cette case à 100%. Écoutez, ben merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 1021 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et on se dit à l'épisode 1022. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.